Et bon, c'est pas grave, mais elle s'est même pas excusée et elle a fait la même chose en pire à un voisin. Et elle s'est pas excusée et elle veut pas faire le constat. Elle dit ah, j'ai pas le temps. Donc, j'avais une. Pour être dans l'interactivité, j'avais un mini sondage. Alors, j'ai plusieurs idées. Vous allez me dire en commentaire. Après, je vous montre les merdes que j'ai trouvées, mais vous me dites en commentaire, j'ai plusieurs idées. Soit je vais les voir et je dis que ces gens ne sont pas polis et que commencent à nous faire chier. Sauf qu'après, si je fais ça, je vais me faire griller pour ce que je vais faire après. Soit, ben moi, je ponce ma voiture et je mets de la bombe blanche que j'ai pour réparer. Et malencontreusement, je vais mettre de la peinture blanche sur sa voiture qui est noire. Parce que l'autre mec, elle a dit, ah, c'est pas grave, elle lui a défoncé le pare-choc. Et quand il est allé la voir, elle a dit, ah, y a rien, c'est pas grave. Donc moi, je me dis peut-être que bout de la peinture. J'ai une deuxième idée. Elle a les rétros qui s'éteignent, qui se rabattent quand on éteint la voiture. Je me disais, si je force et que je rouvre, je vais lui péter son mécanisme. Comme ça, ça se voit pas visuellement. Voilà. La troisième astuce, c'est je prends de l'huile en bombe et je lui mets de l'huile là où il y a la portière, où on ouvre, un peu partout sur sa bagnole, ce qui fait que quand elle mettra la main, ça aura la main visqueuse dégueulasse. Après, j'ai une autre solution, c'est que je lui fais la même chose, c'est-à-dire que je prends un grattoir et je lui raye son pare-choc arrière. Voilà, si vous avez d'autres idées pour bien vivre en société avec des voisins qui sont des fils de pute, vous pouvez me dire en commentaire. Alors là, petit vigrenier, j'y croyais pas trop. Alors j'ai vu des mecs marchander, mais vraiment crassement, ça m'a gavé. Donc moi, j'ai pas marchandé spécialement. J'ai pris ce qui était pas cher. C'est tout. Et puis je suis vite parti parce que d'entendre des connards faire les astuces de merde qui sont gros comme une maison, qui sont désagréables, et puis les gens tombent dans le panneau, au bout d'un moment, soit je les bute, soit je me bats. Donc là, pour 1 euro, j'ai eu Gym Tonic, la méthode Bodynamique. Voilà, donc je suis impatient d'écouter les musiques. 1 euro, c'est pas cher. Il est en très bon état et il y a même l'insert avec les fameuses illustrations. Par contre, je me suis fait avoir, c'est Gym Tonic, mais c'est pas les deux, le duo là. Donc je me suis fait niquer, mais 1 euro, c'est pas cher. Ensuite, pour 1 euro, j'ai eu la truc. Alors j'ai la grosse Luigi pour 2 euros. En plus, ils ont découpé la truc. Et pour 1 euro, j'ai eu Mario. Voilà. Après, pour 2 euros, j'ai eu un jeu qui me fait penser à un jeu que j'ai eu gratuitement où on doit descendre. En plus, ça a marqué Freeride Procédural Extrême. Donc, j'ai vu marqué Procédural, j'ai bandé du tout. J'allais dire le vinyle, aucune rayure. Par contre, il n'y a pas de notice. Et c'est un jeu de descente, mode aléatoire, circuit. Voilà. Ensuite, pour 1 euro, alors elle vendait aussi Dark Vador, mais je l'ai déjà 3 fois. Alors je me suis dit, pour changer, je vais prendre Anakin. Par contre, je trouve qu'il est raide, il peut rien faire, il a les bras raides. Voilà. Et il fait son sigle de main, il fait le Joule, sauf qu'il fait qu'un un seul bras. Voilà. Après, j'ai jamais su s'il y avait un laser ou si c'était faux ou pas. Donc il est rigide, mais par contre, la tête est pas trop mal faite. Il y a même on voit pas, mais il y a la cicatrice à l'œil. 1 euro, voilà, comme ça je l'aurai. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai un personnage de Ben 10. Alors je trouve que la série je connais pas trop. Je trouve que leurs figurines elles sont stylées parce qu'il y a souvent des transparences, des fluorescences. Là, il manque la cache-lune. Et du coup, c'est classe, quoi, parce que même si la série n'a rien de pas, on a des figurines qui ont du style.
50 centimes. Pour 50 centimes, j'ai eu aussi ça. C'est pas les, c'est les nouveaux Transformers, mais à 50 centimes, c'est toujours pas mal. 2015, voilà, c'est un peu récent, mais c'est pas mal. Pardon. Pour 10 centimes, ça fera plaisir à Volpi. Pourtant, c'était gros, hein, c'est un Pokémon. À 10 centimes, il est vraiment pas mal. À la même personne, pour 10 centimes, 20 centimes, j'ai eu ça. Alors j'ai vu marquer, je me suis dit, ah, c'est un truc, aïe aïe aïe, j'arrive pas à voir ce que c'est. Et j'ai réussi à voir sur le côté Playmates. Alors Playmates, vous savez bien que Playmates, c'est les Tortues Ninja. À moins que ce soit les Baker Miles from Mars, mais ça m'a l'air trop récent. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est un truc, peut-être Tortues Ninja. Parce que j'ai déjà une moto qui, où derrière ça s'ouvre, là, on voit pas, mais... On a les roues qui s'ouvrent et ça fait un autre truc. Et là aussi, je pense que. Voilà. On peut ouvrir les roues comme ça. Et c'est là qu'à l'intérieur, j'ai vu marqué Viacom. Viacom et Playmates 2014. Donc ça peut être un truc Tortue Ninja ou alors un truc. Voilà. Donc c'est 20 centimes. C'est toujours beaucoup une moto. Et pas le meilleur pour la fin, mais bon, pour 50 centimes, j'ai eu un. Voilà. Ça, c'est le truc. Alors, au début, je me suis dit, est-ce que c'est un jet de Star Wars? C'est un peu trop gros, j'arrive pas à voir. Dans mon idée, c'était ça. Après, j'ai vu LFL. LFL, c'est Star Wars, c'est ceux qui font aussi Star Wars. Et j'ai demandé à la nana, et elle m'a dit, ah oui, ça, c'est un jet. En vrai, il y a un spider dessus. Mais là, il n'y est pas. Et puis après, on a discuté. Elle m'a parlé de la série Ahsoka. Elle a vu toutes les séries Disney de Star Wars. Donc, j'étais sûr que voilà, c'était la bonne personne. Voilà. Et elle m'a dit, ouais, Ahsoka, c'est top et tout. Je lui ai dit, moi, j'attends d'avoir téléchargé tous les épisodes pour regarder. Mais il paraît que c'est très bien. Donc, voilà. Et j'ai pas eu à marchander. Hein, parce que j'ai discuté qu'après lui avoir acheté. Parce qu'il y a des gens, ils font semblant de faire les bons potes. Mais bon, c'est ça. Ce qui plaît aux gens, c'est ça. C'est quand on est... intéressé et non pas intéressant, quand voilà, on fait des combines de fils de pute de sous-hommes, et c'est ça qui plaît, les gens font semblant de jouer les copains pour mieux vous enculer après. Moi non, moi j'achète et après je discute avec les gens. Mais bon, ça c'est pas la. C'est toxique, c'est pareil. C'est toxique, être taré. Ce qu'il faut, c'est entuber les gens, faire semblant d'eux, et là ça passe crème. Et on se refait pas. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté. Et sur ce, ciao Pupito, à plus mes puces.